La saison est finie, c'est maintenant le temps des séries. La période où les joueurs ainsi que les goalers rangent dans leurs armoires tout leur kit de ravoir, puis de crème à raser, puis de pince à épiler. C'est mal vu d'être imberbe, il faut être comme des hommes des cavernes. Pour ne pas perdre la face, faut avoir du poil d'en face, une moustache charnue, une grosse barbe poilue, comme Éric Desjardins, Lanny McDonald, puis Denis. Bon hot vin, le printemps. J'aime bien celle de Dave Laurie. Le printemps, c'est le temps des barbes de playoff. Tout le monde a du poil, même Mika qui pousse off. Il faut avoir la toffe, c'est maintenant le temps des playoffs. Du patinage de fantaisie, y'en a pas des séries. Dans le trafic des coups de hache contre Billy Smith. Et pour montrer qu'on est brave, on se laisse pousser la barbe, avoir du poil sur le menton et être fier comme l'étaient les bûcherons. Voir du poil sur les joues, nous mettre au sexuel, on s'en fout. Faut avoir l'air de guerrier, c'est pas un concours de beauté. Mardi ça, à change avec des new. Et puis à Ken Daneco. Le printemps, c'est le temps des barbes de série. Moi j'aime bien celle. Comme des babiches, quand Raymond Bourque a levé la coupe au bout de ses bras, sa barbe argentée brillait dans toute l'aréna. La saison est finie, c'est maintenant le temps des séries. La période où les joueurs ainsi que les goalers rangent dans leurs armoires tout leur kit de ravoir, puis de crème à raser, puis de pince à épiler. C'est mal vu d'être imberbe, il faut être comme des hommes des cavernes. Pour ne pas perdre la face, faut avoir du poil d'en face, une moustache charnue, une grosse barbe poilue, comme Éric Desjardins, Lanny McDonald, puis Denis. Bon vin, le printemps, c'est le temps des barbes de série. Moi j'aime bien celle.